Et Nicole Garcia, vous êtes avec nous jusqu'à 12h30 et forcément, vous allez passer par la bataille des scoops sur l'invité. Ils ont des informations sur vous, que ce soit Guimi, Lemoine ou Benaïm. On va démarrer avec Valérie Benaïm. Très bien. Alors Nicole, on le sait, hein, vous êtes née à Oran en Algérie. Votre papa tenait une droguerie dans laquelle il travaillait beaucoup. Et donc vous y avez, vous, passé une grande partie de votre enfance. Et dans votre film Un balcon sur la mer, parmi les décors, on y trouve également une droguerie que vous avez décidé de nommer sans le dire à personne, comme celle de votre papa. La droguerie universelle, un clin d'œil que personne ne connaissait sur le tournage, c'était un hommage secret. Et ça va même plus loin parce qu'au départ, vous vouliez carrément nommer le film Droguerie universelle et puis vous avez changé en cours de route et vous l'avez appelé Un balcon sur la mer. C'est vrai. Pourquoi ne l'avoir dit à personne? Pourquoi bah parce que c'était comme ça entre mon père et moi quelque chose. Mon père a disparu, donc c'était quelque chose qui... Finalement, je parlais de l'Algérie pour la première fois, je parlais d'Oran et puis... Quand j'ai dit au décorateur, on va mettre là, sur la fiche, on va mettre droguerie universelle. Et pourquoi droguerie universelle? Ça paraissait un titre bizarre. Mais voilà, c'était entre moi et moi, entre moi et lui. Quoi. Et un donc, lien comme ça. Ouais. Et c'est vrai que le producteur, quand j'ai proposé le titre, là, droguerie universelle, elle me dit, sûr, vraiment que... Alors donc, j'ai préféré mettre un titre plus, voilà, plus évocateur. Mais il y avait ce clin d'œil dans le film. Ouais, absolument. Bonne info, Valérie Benaïm, hein, Bruno. Absolument. Hein, allez. Laurent Guimier. Alors, il y a quelques semaines, Nicole Garcia a eu la peur de sa vie. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Vous avez présidé le Festival des Arcs. Et à l'occasion de, ce week-end, de ces quelques jours passés là-bas, alors vous avez fait un peu de sport, vous avez fait du chien de traîneau, vous avez fait de la marche, vous n'avez pas fait de ski. Et puis, vous avez fait de l'hélicoptère, parce qu'on vous a proposé de survoler les Arcs en hélicoptère. Et ça vous a plutôt plu, hein, de faire un tour comme ça dans le ciel. Sauf que, alors je ne sais pas pourquoi, mais le pilote a sans doute voulu un peu vous épater. C'est ça. Et là, il s'est mis à frôler les crêtes, enfin à faire extrêmement dangereuses quand on a un tout petit peu non pas forcément le mal de l'air, mais enfin qu'on est habitué à prendre l'hélicoptère. Et oui, ce jour-là, visiblement, ça vous a paniqué. Oui, j'ai eu peur, je vais encore descendre. Oui, il est monté sur les sommets, puis il virait à droite, à gauche. Il virait, voilà, comme ça, tout près de... Vous voyez arriver les rochers sur soi qui montent au dernier moment. Non, mais c'est ça. Hein? C'est ça, parce que les mecs, ils veulent faire les malins, souvent. Ouais, c'est ça, voilà. Parce que déjà, l'hélicoptère, c'est très impressionnant. J'ai vu arriver l'accident idiot, quoi. L'accident idiot de vouloir me montrer de près le Mont Blanc et de me scratcher dessus. Bon. Donc, c'est vrai que... Vous avez demandé à redescendre très vite? Oui, très vite. Ah, moi, j'ai eu la même chose la semaine dernière sur le Grand 8, moi. À la foire du trône. J'étais pas bien. Je dis, redescendez-moi, mais vite, s'il vous plaît, vite. Jean-Luc Lemoine. Vous aimez le Festival des Arcs, vous? Oui. Alors, quand on appelle quelqu'un au téléphone... On l'a déjà tous fait, on parle parfois à quelqu'un en attendant que la personne au bout du fil décroche. Mais vous, Nicole Garcia, vous ne vous rendez pas toujours compte que la personne décroche. Et un jour, il paraît que vous étiez avec un ami, vous décidez de parler d'un film à 3 jours du tournage tout en appelant le réalisateur. Et elle a pas Nicole, envie, là. On peut le dire, vous n'aviez pas tellement envie de jouer dans ce film. Alors, en attendant que le... Oh là là. En attendant que le réalisateur décroche, vous vous lancez dans une tirade pour expliquer à l'ami en face de vous à quel point vous n'aimez pas ce film et que vous le faites à reculons. Sans vous rendre compte, au bout de 5 minutes tout de même, que le réalisateur avait déjà décroché et il écoutait toute la conversation. Je ne m'étais pas rendu compte, c'est lui après qui m'a appelé, ce metteur en scène. J'aime pas cette histoire, je sais pas qui vous l'a raconté, mais je déteste la personne. Ah, c'est le royaume de la délation ici. Nous, on l'aime bien. après la peur de sa vie, c'est la honte de sa vie. Non, mais quand même, il faut savoir que ça s'est bien fini, puisqu'il vous en a pas tenu rigueur et le film s'est déroulé et tout s'est bien passé. Il a été sympathique. Oui. Mais sans vous. Je lui ai dit que j'étais. Ah non. Non, mais je dis, voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je lui ai dit que j'étais en dépression, que voilà, je lui ai raconté que rien n'allait, ni ma vie privée, ni le film, ni. Et voilà, qu'il n'y était pour rien, lui et son film. Et, c'était, voilà. Et maintenant, il y a prescription. Vous pouvez dire qui c'est ou pas? Non. On va mener l'enquête. Vous allez revenir une autre fois et cette personne sera là, vous verrez. Vous êtes gaffeuse comme ça, tout le temps? Quoi? Vous êtes assez gaffeuse ou pas dans la vie? Pas tellement d'habitude, mais c'est là, mais c'est les pièges des téléphones portables et on croit qu'on a raccroché, on n'a pas raccroché. Ça peut arriver dans beaucoup de circonstances encore plus délicates que celle-là. Alors Bruno Kras, un scoop aussi, il joue dans la bataille. Je vais vous faire mon Pierre Belmar. Nous sommes en 1990 pour le tournage d'un week-end sur deux à Madrid, la fin du périple du tournage. Et Nicole Garcia est dans un hôtel en Espagne, elle est en train de discuter avec la réception, et comme elle est tête en l'air, ce qu'elle n'a pas dit du tout dans l'émission, elle est très tête en l'air, Nicole Garcia, bien qu'elle soit organisée sur les tournages, elle a laissé son sac ouvert derrière elle se retourne, plus de sac. Donc elle se retrouvait sans papier, sans carte bleue, sans rien. Vraiment, c'était un peu la catastrophe à la fin de ce tournage. C'est vrai, oui. Voilà. Merci. N'est-ce pas?
Alors moi je m'attendais après. Et figurez-vous que le sac, oui, le sac, ça. On l'a retrouvé ouais, deux heures après. Hein, c'est, ah, c'était ça l'anecdote. Elle a été obligée de trouver un job, quelque chose. Non, c'est vraiment. Mais ça a été catastrophique. Déjà, comme c'est moi qui vais prendre la décision sur la bataille des scoops, je peux d'ores et déjà vous dire que vous ne gagnez pas, Bruno. Mais on vous aime bien. Alors c'est pas sympa parce que j'ai appelé hier soir Nathalie Baye. Oui. Et c'est elle, l'actrice de Week-end sur deux, qui me l'a raconté. Il balance en plus. Tout ça pour dire, tout ça pour dire, il a dérangé Nathalie Baye pour cette histoire pourrie. C'est surtout ça, je vais vous dire. Nathalie Baye, elle a dû raccrocher, c'était qui? Bruno Crash, je sais pas, il m'a saoulé avec une histoire de sac. Là. Et on l'embrasse d'ailleurs, Nathalie Baye. Alors je vais vous dire, pour moi, la meilleure histoire est celui qui gagne la bataille des scoops. Vous le savez, vous me connaissez, c'est Jean-Luc Lemoyne. Non, c'est pour son histoire, c'est pas parce que c'est un ami de 20 oui, ans. Oui, bien sûr. C'est parce que son histoire était très très bonne. Vous avez tous bien travaillé, mais c'est Jean-Luc Lemoyne qui remporte le point.